Je pense qu'on va prendre le match comme on prend tous les matchs. On ne va pas se mettre de pression supplémentaire ou autre. Avant toute chose, avant le classement, on va avoir envie de gagner parce qu'on est à domicile et on veut garder cette solidité à domicile. Après, oui, là, c'est le leader depuis un moment. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit peu plus d'excitation, je pense, pour tout le monde, mais c'est juste de la motivation en plus. C'est de la motivation en plus. On a envie de faire un beau résultat, je pense, contre le leader à la maison. Aujourd'hui, ils sont en haut. C'est vrai qu'ils accusent le coup depuis peut-être 2 ou 3 matchs. Nous, on va rester focalisés sur nous. On connaît un petit peu les forces de l'adversaire. On va essayer d'appuyer sur leurs faiblesses. Et nous, surtout, se concentrer sur nous et jouer sur nos forces. On espère que tout va très bien se passer demain. On a confiance en nous, mais c'est une confiance, comment je pourrais vous dire? C'est une confiance humble. On ne se prend pas pour d'autres. On connaît nos qualités, on connaît nos défauts, et justement, on fait tout pour mettre nos qualités en avant. Ce qui est bien, c'est qu'on le fait tous ensemble, et ça marche. On espère continuer comme ça. Ça va être un match attendu, de part et d'autre. Maintenant, je pense que voilà, on s'est assez bien préparé. On a essayé de récupérer au maximum, parce que voilà, il y a une succession de matchs. Mais on est sur une bonne dynamique. On va essayer d'aller chercher les 3 points tout en produisant le même jeu qu'on a habituellement. On va pas essayer de changer parce qu'on joue le leader ou autre. On est content de pouvoir jouer ce match demain. Dommage qu'il n'y ait pas de public, mais on est quand même très content de jouer ce match demain. On sait que ça va être un beau match et que les deux équipes vont donner le meilleur d'eux.